Oh putain, ça y est, les jockeys débarquent. Incroyable. Il est tellement bas, ça a l'air super pratique à conduire. Tellement pratique qu'il vient de se planter en direct sur ce petit raccord de route de 2 cm de hauteur. Oh le con ! Non mais là, faut le dire, c'est un con le mec. Ah bah là, t'es planté mon pote, hein. Ah bah y'en a un qui vient l'aider, regarde. Il essaye de te pousser avec ses vieilles claquettes de regard. Le qu'une accroche, le con. J'ai envie d'aller les aider, mais ils me font tellement rire, ces cons, putain. Je préfère regarder. Ah non, mais le mec, là, je peux te le dire, il est dans la merde. Regarde, ça bloque vers ici, là. Et hop, tu vois, regarde, ça bloque. Là, il est complètement bloqué. T'entends la boîte de vitesse? Ça, c'est parce que là, il passe la marche arrière, alors que la roue, elle tourne encore en avant. Bah, parce qu'il sait pas quelle est en l'air. Ah bah là mon pote, tu peux poser ta tente et tu vas dormir là ce soir, je peux te le dire, qu'est-ce qu'il fait? Il met pas les chaussures dans la voiture. Moi c'est mignon, il veut pas salir sa voiture. S'il mettait des claquettes, ce serait plus pratique. Attends, il cherche un truc là, regarde, à mon avis il a trouvé une solution. Ah carrément, regarde, il a prévu ses petits bouts de bois et tout. Putain, le mec trop organisé. Tu vois qu'il a l'habitude de se tanker, lui, regarde. Il a prévu ses petits bouts de bois et tout, putain, c'est un coup de génie ça. Je te parie, un pack de bière que ça marchera jamais. Regarde, il enlève ses chaussures, mais il les pose quand même à l'intérieur sur la moquette. Ah non, il les pose sur le siège directement, ce con. C'est une question de choix, il préfère niquer ses sièges que ses tapis. En plus, le mec, il a créé un embouteillage de Jackie derrière, mais laisse tomber. Encore celle-ci, ça va, tu la regardes de loin, ça passe. Tu vois, tu dis, bon, elle est propre. Cette bagnole, faut pas la regarder de trop près non plus. Mais alors, celle-ci... C'est typiquement le genre de... Vas-y, mets-toi devant l'objectif, y'a pas de souci. Vas-y. Je disais, c'est typiquement le genre de mec qui est resté bloqué sur le film Fast and Furious et qui a complètement du mal à s'en remettre. Non mais fais-moi plaisir, écoute ce bruit. Écoute. Non mais j'en peux plus, mec. Et lui, il est toujours en train de pousser, il pousse, il a espoir. Non mais mec, il est en train de bloquer toute la route, là. Regarde, lui, il est... J'en peux plus. Pourquoi ils me font tous rigoler, les Jackie, comme ça, à chaque fois que je les vois? C'est pas possible. C'est une situation... Moi, je pourrais rester là toute la journée à les regarder. Non, je passe pour un salaud, après. Non, venez, on va l'aider, les gars. Non, on va l'aider, on pousse la bagnole avec lui, comme ça, il peut partir, il va sur son rassemblement tuning tranquille. Non? Bon, d'accord, on le regarde encore. Vas-y, moi, ça me plaît. En plus, regarde, il y a des mecs qui arrivent pour l'aider, tu vois, on n'a même pas besoin d'intervenir. Non, mais faut avouer, rouler bas, au bout d'un moment, c'est la route qu'il faut rabaisser. Putain, lui, il a les claquettes avec les chaussettes en même temps. L'autre, il est en train de se ruiner la colonne vertébrale. Et les autres, ils regardent. Ah, mais ça, mon gars, ça vaut de l'or, tu vois. On s'est arrêté là, juste 2 minutes pour pisser. Et on tombe sur ces camps. Putain, mais tu vois, ça c'est... Moi j'appelle ça une pépite de la vie. Non mais moi le mec, il faut qu'il m'explique le concept, je veux dire, je vais aller lui poser des questions. Parce que si pour aller acheter une baguette de pain, t'es obligé de poser 2 semaines de congé, autant prendre un taxi. Et puis en 10 minutes, t'es revenu. Non mais c'est vrai, il y a encore 5 minutes, j'étais à 10 000 km de m'imaginer qu'il allait avoir d'autres mecs qui allaient débarquer avec d'autres petits bouts de bois. Ah ben là-bas, tu trouves pas un coffre où il n'y a pas des petits bouts de bois à l'intérieur. C'est, je veux dire, c'est la base, quoi. C'est... Là, tu vois, lui, le mec, là, lui, c'est le roi des petits bouts de bois. Là, lui, il les place tellement bien qu'à chaque fois, toutes les voitures qui sont tankées sortent. Allez, aucune voiture qui lui résiste, à lui, ma parole. Tu vas voir qu'elle va sortir direct, la bagnole. L'embouteillage, forcément, il est toujours là, hein, parce qu'ils s'attendent tous ensemble, ils disent, non, moi... Je passe pas tant qu'il est pas passé, rien à foutre. Sauf qu'ils sont pas au courant que le mec il a planté sa tente déjà, quoi. Regarde-moi cette installation 2.0 faite en contreplaqué de chez Castorama. Comme ils gèrent les bouts de bois, mais grave quoi, franchement respect mec. Ah eux ils ont plus envie d'attendre, je crois qu'ils en ont marre. Ils ont fait contresens carrément. Vous connaissez contresens? Contresens. Et quand t'étais à 7€ d'essence, t'as je perds quoi? Enfin bref, donc du coup ils sont passés en contresens parce qu'ils s'en battent les couilles du mec qui s'est tanké. C'était la séquence Jackie, et c'était le QG d'été, les amis. Alors abonne-toi, et si t'es déjà abonné, tu te rabonnes. Rajoute d'abonnement. Incroyable.